gasoline radio qui ce qui a été al passé là de jeudi on nous avons là deux qui même fermé et situation toujours très difficile et pour chauffeur kit c'est chauffeur qui dans transport public ou bien mettre machine privée qui pas ca joindre gaz cap monter descendre devant pompe yo, et entrer sorti et par exemple et sous prend pompe nationale et toujours et di fermé depuis une semaine et responsable pompe ça monsieur José Dalancourt qui bay Radio Kiskeya yon interview fait connait ça fait 2 semaines depuis il te fait commande 18000 gallons gaz et seulement 5000 yo rivé livrer devant situation ça monsieur Dalancourt dit il pas capable continuer quitter pompe l'an l'ouvri il obligé prendre décision fermé et n'attendez monsieur José Dalancourt propriétaire pompe ça qui sous maternité qui presque dans coin toujours et qui t'ai parlé comme ça dans micro reporter nous Hervé Noël depuis lundi on fait commande on gagne 18000 gallons comme commandé et que c'est 5000 gallons sont même pour moi ça passe plutôt essayer voilà avec Dina ça pour connaître information même samedi là pas plus comme information mais ça passe c'est depuis depuis semaine dernière avec ça fait pratiquement 2 semaines que comme j'ai raté c'est pas la difficile là situation difficile c'est une situation très désagréable vous faites comment 18000 gallons 18000 gallons et bon 5000 gallons seulement semaine ça donc si vous faites comment 18000 au niveau 5000 ça que reste là mais ça m'a tenu m'a pas tenu. Mais pas qu'une date que vous avez pas encore. Chaque jour, je dis. Donc, je dis à la bonne. Je ne sais pas si c'est la bonne. Je souhaite que la bonne. Donc, vous êtes toujours en attente. Vous dites. Moi, en attente. Donc, qui sont acceptés pour situation? Que livrer, moi, ça me commande. Je me commande 18000 gallons. Si vous êtes bon, moi, reste au lieu de. Il reste 14000 gallons qui étaient là. Tu as organisé un collègue pour voir le client pour ne pas être content. Pas d'augmentation de prix en perspective. Non, pas à ma connaissance. Voilà, c'est propriétaire station ça tout le monde connaît qui sous Martin Luther King non presque dans coin et toujours monsieur José Dalancourt qui est obligé fermer parce que pas arrivé livrer commande de demander 18000 gallons c'est seulement 5000 les recevoir d'après ça le déclarer dans micro et radio Kiskeya station ça trouvé dans toujours et c'est qu'à plusieurs stations et gasoline dans capitale là monsieur David Tournier qui président Anadip te confirmé dans semaine pour Radio Kiskeya l'état haïtien gondette 7 milliards de goudes par rapport à importateur et gazio compagnie et c'est 2 milliards seulement l'état te disposé pour te payer faut que nous ne pas jamais grand ken communiqué officiel qui sorti bon côté gouvernement autrefois nous songeait les situations ça a été présenté c'est toujours un ministère des finances ou bien en après te compte BMPAD qui te compte bas explication et bien qu'il y a gouvernement ça nous connaît et pourtant qui connaît qui gens pour yo manipuler communication politique et pour yo capable prendre pouvoir kembe pouvoir croquer dans pouvoir mais leur pour communiquer ak population yo bébé ou pas jeune personne qui pour parler et qui c'est yon montré pas grand ken respect pour population qui a souffri et qui besoin explication et bon côté pa yo gen quelques chauffeurs motocyclette qui décidé yo même parler dans micro nous quoi habitué faire pour dénoncer ratement gaz ça selon eux même qui artificiel et qui affecté yo dans activité et yo fait qu'on est à cause difficulté qui gagne pour joindre gaz dans pompe yo prix gaz dans li augmenté nan men revendé et yon l'autre part yo mandé pour autorité qui concerné yo agir pressé pour résoudre problème ça n'attendé quelques chauffeurs motocyclette sous ratement gaz dans micro Hervé Noël ça affecte nous les gens que pour que ça gaz là c'est à elle pour fonctionner non seulement en tant que chauffeur moto gaz là faut que ça elle fonctionne par exemple là gen moun nan lenn vin là actuellement là galon gaz là qui était passé à 400 gouttes par exemple pour en bas lumière là 400 gouttes pour un galon gaz ici sous te
bon, dis c'est là on pour 50 gouttes, on y a la obligé de 15 dollars. Mais qui nous jeune à 400. Bon, vous connaissez nèg bolario, des fois nèg là du quoi, c'est Is Matissan là d'elle, il risqué, Adel Matissan, le 12 Léo Gan là d'elle, il risqué. Tiens à ce que on attaque chauffeur moto. Vous connaissez nèg là, on connaît Don Matissan, on dit pas bon. Qui tout gain tué. Les nèg là passé en bas, il risqué, il peut garder là haut. Vous obligé prendre ou pas gain, ou pas gagner l'enfant. Madame nous là. Donc, son situation qui affecte nous. Bon, son situation qui affecte nous au niveau, c'est ça la cause, le gouvernement qui la cause à décessance. Parce que, où l'on paye, par exemple, nous-mêmes chauffeurs moto, c'est nous-mêmes qui créons propre emploi à nous. Et pour question Gaza, bon, nous avons déjà, nous venons sortir, c'est comme selon l'école professionnelle, chaque 3 mois, ou grand session, ratement gaz à plein. Et nous-mêmes chauffeurs moto, et ça a vraiment frappé nous parce que l'homme courir, monter, courir, descendre. Des gaz, ça c'est presque boule un gallon gaz pour aller en l'autre gallon encore. Le gouvernement pas répondre à besoin de la population hein? Et puis pour nous, nos souffrances gaz qui vous mettez dit à perpétuité parce que chaque 3 mois, au banal et qui pas bon pour nous. Et si tu es déjà monté, tu vas jamais descendre. Bon, dans le cas, ça m'a pas connaître qui ça a supposé faire pour nous carrer l'on souffre. Et pas monter le monter non, mais à la minute qu'on pas qu'à jeûner, il vient ça c'est monter. Imaginez, ou gon ti ta gaz ou besoin de refouler le tankou. Ou boule ti ta gaz ou besoin rien en tank là et puis ou pas ka jwenn encore. Divine sorti c'est comme si ou font dépense en plus. C'est ça que me dire Divine c'est monter mais c'est pas monter yo dit là, monter. Oui, effectivement pas grand ken communiqué officiel qui a annoncé gaz à monter depuis un an, nous connaît dernière fois, dernière tentative gouvernement te fait, c'est lui même qui te ban nous 6 7 8 juillet. Hein? Depuis de ça, il n'y a pas qu'à tenter, bon, tel, mais c'est gros mépris pour le peuple, hein, puisque pas gain ken explication équipe qui sous pouvoir, régime tête calé à bail concernant ratement Gaza. Et sorti dans le problème Gaza qui c'est une forme d'insécurité, puisque nous avons Haïti chargé avec toute qualité d'insécurité, et nous pourrons parler de l'autre insécurité citoyen a fait face, sans que par contre qui est pour y aller, qui c'est pour y prier. Et c'est comme ça que des citoyens dans la commune Kafouan, après magistrat Kafouan a été fin dénoncer comportement autorité au cap touyer commune Kafou qui c'est une principale victime climat insécurité. Ça magistrat Jude Edouard Pierre a été convoqué la presse dans semaine non pour te parler de divers problèmes la fait face là de problèmes insécurité qui la cause une rare usine qui gagne dans commune ça l'a obligé déménager puisque matière première yo pas qu'arriver n'a prendre tout gain en pire et compagnie qui qu'on a fait livraison en province dans sud-est dans nip dans grandance dans reste l'ouest là ak dans sud et tant que compagnie qui a porté boisson par exemple et qui pas fait ça encore parce que dernièrement non seulement attaqué camion touyé un chauffeur et kounye là ça pas étonné personne monde dans jour qui a venu là yo. Si gagné une série de ratés, une série de produits dans plusieurs départements dans le pays. Et gon groupe citoyen dans la commune Kafou qui a annoncé, jour qui va 29 d'août qui va venir la semaine prochaine, devant Marina Haïtienne, yo pral faire un sit-in pour yo capable dénoncer autorité Manfoubin qui seulement a pris privilège dans l'État, mais qui pas gagne aucun service y a bail population qui a payé. Et qui pas jamais prend aucune disposition, tout bon. Pour combattre phénomène insécurité ça qui tablit particulièrement épicentrement c'est bicentenaire Matissan mais qui gagne quoi on connaît impact et sous moitié pays et qui gagne conséquences directes sur la vie monde qui vivent dans des communes tant que Kafou par exemple pasteur et l'église MEBSH dans Côte Plage pasteur Samson Dorelas ancien magistrat commune Kafoua Yvon Jérôme directrice collège Marie-Lourde et madame Marie-Lourde Franck c'est quelque parmi personnalité dans commune Kafou qui a pris initiative ça dans ça n'a attendé ancien magistrat commune Kafoua musicien Yvon Jérôme dans micro Robinson Henry concernant mouvement ça levé campé ça a préparé pour faire contre insécurité ça que sorti Port-au-Prince mais qui a enterré Kafou avec tout reste pays. Le 29 qui a venu là, nous gagnons un ensemble de notables qui prennent décision pour nous crier nos bouquets. Nos bouquets face à silence complice, dirigeant nous, avec monde qui caché derrière, qui a alimenté une série de jeunes dans Matissan, une série de jeunes dans Fontamara, une série de jeunes dans une zone bicentenaire,
au détriment de la majorité. Nous bouquons avec comportement d'esclaves de maison, dirigeants nous, dans l'intérêt de l'oligarchie, au détriment de la collectivité majoritaire. Le 29, ensemble de populations avoisinantes, qui n'ont qu'à fou, nous décidons de faire un sit-in entre Fontamara 43 et Bisoto 53 en face de la marine haïtienne. Et dans le périmètre, tout le monde est supposé habiller en maillot blanc, en maillot noir, non seulement pour nous rendre hommage à spécialement victimes, mais pour nous crier, pour nous dire que l'esprit de stigmatisation qui gagne par rapport à la situation qui a évolué à côté de Marielle Carrefour, par rapport à vos victimes à subir. L'école là qui doit l'entrer, nous n'avons aucun comportement pendant ce temps. L'éducation nationale fait ce qu'on sorti pour sensibiliser le monde et parents pour voir les petits à l'école. Pendant ce temps, il n'y a pas dit mais qui est positif, il faut le prendre. Ça, c'est la réalité que nous vivons pas. Actuellement, moi-même, personnellement, je confirme certaines familles qui font des marches pour aller faire la descente de la ville, soit Delma ou Pétionville, okay, pour juste que je sois capable de gérer les questions du monde. Mais combien de parents sont en mesure pour quitter la foule à la ville? Combien de parents qui ont besoin pour aller loin de l'espace public de la ville? Déjà, nous avons une situation de la vie chère, pour nous jouer un corps, pour la voyer petite de l'école, okay? Et puis pendant ce temps, pour la faire un corps, pour la louer caille. Raison parce que nous avons des dirigeants irresponsables. Nous avons un président de la République qui s'éternise à envoyer des tweets, okay? Qui fait le sentir touché par des situations qui ont passé en terre étrangère. Pendant ce temps, maintenant, c'est que nous avons la responsabilité, ça n'a rien qui fait tout ça. Le président de la République, dernièrement, s'il n'a pas tout le à la Cali, puis ça c'est tout palais national qui peut déployer sur route depuis la ville jusqu'à Grétier. Pour le secteur des affaires, nous avons monsieur Vendrensuit. Pour l'éducation, nous avons la critique madame Marie-Loute Franck. Pour le secteur de Ligue des pasteurs, nous avons le pasteur Samson de la Radio Lumière. Et pour le secteur universitaire, nous avons M. Pierre Maniga, encore pour le secteur des affaires, M. Éric Jean-Baptiste, nous avons M. Philat, Jean-Verdi, qui s'y est pour lui. Voilà, ancien magistrat commune Gafon, donc nous avons plusieurs personnalités qui impliquaient dans le mouvement ça pour lever campé. C'est jeudi qui va 29 d'août, on va le faire sitting ça devant Marine Haïtienne pour dire c'est trop à temps. Co-directeur exécutif yon plateforme organisation qui a défendu droit moun défenseur plus Antonal Mortimer dénoncé façon autorité ou pas gérer dossier insécurité a dans plusieurs quartiers dans capitale là. Dans interview ça le bail du Kiske a jeudi a défenseur droit moun critiqué silence complice pouvoir et concernant nèg examio kap simaye deuil désespoir nan mitan population pour empêcher citoyen men activité yo. Monsieur Mortimer rete kwè autorité concernée yo ta supposé répondre devant la justice pour silence ça rien même assimilé en silence non seulement complice mais criminel devant phénomène insécurité criminel les moins qu'ajouté n'a tandel qui t'a parlé comme ça nan micro Vladimir Maurice Ridoy. Parce que les dirigeants politiques pour quitter la situation pourrie
dans le pays, pour eux-mêmes, ils ont établi pour voir, sans être dans la stratégie, mais c'est Jovenel qui nous-mêmes nous dénoncer. Et ou pas qu'à utiliser crime pour qu'il y pour conserver le pouvoir, ou pas qu'à utiliser crime pour admettre une population aux abois, en difficulté, des machines qui vont calver dans quoi pour ça, des machines qui vont calver dans la saline, des mouns qui sont obligés de quitter Caillou, des paquet de monde matissant qui me connaît, ou bien surtout de Cafou qui dans ce capital-là, qui est obligé à quitter Caillou, abandonner Caillou pour venir rester Delma, pour venir rester dans des autres zones, dans le pays, qui a bien des problèmes logistiques, côté valet logement, descendre dans la zone sud capitale, et puis là pour monter dans les zones donc, qui viennent pas un problème économique grave. Et tout le temps, moi, pour le monde qui a dirigé le pays, il y a des pour répondre à la question de la justice. Pour inaction devant l'action bandit. Ça veut dire le fait qu'il n'y a pas réagi, il n'y a pas fait rien pour protéger la population, hein? Ou encore le fait qu'il y a une connivence avec les gens qui ont des armes illégales, les gens qui bandit en dehors. Qui ça nous propose comme élément de solution face à la situation ça? Pour nous faire des armements, pour nous combattre la situation des armes illégales et pour nous juger les gens qui méritent de juger, ça veut dire une compatibilité. Voilà, défenseur Douamoun, co-directeur exécutif Défenseur Plus, militant qui a défendu Douamoun, Antonal Mortimer, dans le micro Vladimir Maurice Ridoré. Je connais de familles, et particulièrement une famille qui a plus que 50 ans depuis qu'il était matissant, et bien qu'il y a cherché pour rejoindre un petit bout de caille dans l'autre quartier, pour quitter caille, qui pour yo bâti une belle caille, qui a une belle lacou, qui a une belle pied bois, belle côté, il n'est pas obligé d'abandonner parce que la vie est impossible dans la zone ça. Et c'est qu'à plusieurs monde, et d'après témoignage moins jeune, mais plusieurs monde qui parlaient avec sous situation concernant ça qui a développé dans la zone ça, son zone. Pratiquement, ils voulaient effacer et nous capables de dire moitié pays a, et sous quatre pays. A. Pendant qu'on a dit ça, de temps en temps, il y a un problème dans la route nord à tout, pas oublié, non? De temps en temps, n'importe problème qui doit bloquer et route qui mène dans notre zone touristique, côté un gros investissement qui fait, pas qu'il mesure qui prend, par exemple, protéger une route, route des Arcadiens. N'importe qui l'entendait, n'importe l'obéi pété, route bloquée, par exemple, dans la zone Akaye. Dernièrement, je suis allé dans le plateau central, je suis allé balai, c'est cassé tête tournée. Route fait combien de jours bloquée? Et pa, pour ça, revendication est juste, est légitime. C'est un pile à paquet de revendications, l'autorité n'a pas jamais répondu. C'est n'importe qui moment, n'importe qui côté. Ça arrive et gang yo nous connaît quoi de là yo gaillé et depuis que chef gang yo relé Arnel J pour Joseph était déménagé dans le département de la Tibonite là et bien situation c'est absé sous clou et côté autorité pas fin d'ailleurs dans confiolo avec pas oublier directeur exécutif NDDH là monsieur Pierre Expérience fait une révélation semaine ça dans micro côté il dit quoi il là il a mis tourner un plan entre autorité dans plus haut niveau dans l'état pour yo capable faire Jovenel et pour yo capable faire n'a parlé de c'est pas de Jovenel n'a parlé c'est vite de Arnel ouais faut prendre précaution à faire de non yo Arnel J et une raison qui fait dit ça J pour Joseph pour yo capable faire l'échapper dans prison dossier Jovenel n'a pas retourné sur lui tout à l'heure dit même c'est démissionné ben démissionné et prison c'est en après mais n'a parlé de Arnel J pour Joseph qui ferme en prison côté des négociations qui a fait demande pile l'argent et pour le capable sauver dans prison pas bien il était sauvé dans prison déjà donc c'est un évadé prison et qui bénéficie de complicité de autorité dans pionné niveau dans l'état et pas rien la justice haïtienne n'a fait dans dossier ça jusqu'à présent concernant monde qui est dans confiolo à clive. Côté sénateur Youri La Tortue, ancien président Sénat, président commission et anti-corruption et éthique, fait qu'on ait question à faire chambre députée, pas arrivé dans des déclarations politiques générales, premier ministre, non, mais qui te doit faire. Ce n'est pas priorité, pas eux dans l'opposition. Nous interviewons le Radio Kiskeya journée jeudi, dirigeant politique là. Et encourager de préférence population continuer à mobiliser pour forcer Jovenel Moïse quitter pouvoir. Là, nous te poser la question,
et sur le fait que animal politique là quoi il est là qui dit c'est acrobate politique lié papa tourné qui t'a défend Jovenel Moïse quoi un maman poule qui t'a défend petite ni et sénateur Yuri la Tortue fait qu'on est dans jour qu'a vinn là gen l'autre pour n'quoi qu'a quitter équipe là comme si bateau a prendre l'eau et parce que il dit n'a pour un monde qui gon minimum dans question politique qui capable rete dans défense et rete collé avec Jovenel Moïse. N'a attendé sénateur Yuri la Tortue dirigeant à nan micro Vladimir Maurice Ridoy. C'est des vieilles manœuvres, des manœuvres dilatoires, pour que vraiment il y en ait qui cherchent avantage ou pas avantage. Parce que cette question de gouvernement, si on a réfléchi à politique, à quoi ça sert pour mettre un gouvernement qui ne va pas le faire mieux que l'autre, qui ne va pas le changer les bagailles. Parce que je dis à nous, dans une situation, côté tout gouvernement devait être l'objet d'un consensus. Mais si lui-même n'a pas arrivé ça, ou même un gouvernement qui a la solde du journal, il n'a pas qu'à changer rien. Donc, mais étant donné que Kevinek, c'est l'autre. Et qui cherche à défendre, on voit ça, yo aller dans le sens de manœuvre dilatoire. Il va faire lundi, on va le faire mercredi, se donner du temps pour faire les manœuvres et arriver au même objectif. Parce que on voit ça, yo pas là pour que nous mettions tout le mandat sous table et puis le discuter. On voit ça, yo pas là pour nous garder les vrais problèmes qui dans le pays. Et puis vous nous dites que, et pas comme ça pour nous faire, mais comment vous nous faire. On voit yo, c'est devient manœuvre dilatoire, allant de journal et ça trouve, pour voir comment il y en a tiré, les verres du nez, il y en a tiré plus d'avantage. Que l'autre. Donc, ça va vraiment, c'est le cadet de nos soucis. Moi, je pense que ça est important pour la population, c'est arrivé parce que le journal démissionné répond devant la justice. Hein. Deuxièmement, et démission journal a ouvert porte là pour que nous ayons comment nous avons changé le système. Ça. Et changer le système, là, demandé aux citoyens qui sont dialogue national, demandé pour Saint-Étoile-Caribé, Dermalogue et autres, demandé eh bien, pour changer la constitution à travers eh bien, un peu le problème que nous avons qui facilite le système. Ça. Sénateur Lambert, qualifié tête comme un animal politique et il dit tout le temps à combattre politique et je dis à là il lâche Jovenel Moïse et comment nous même nous accueillons nouvelle ça parce que lâcher Jovenel Moïse grand pile monde qui va lâcher Jovenel Moïse parce que écoutez lâcher Jovenel Moïse c'est pas un bagaille qui dépend pour dire que bon moi même m'a lâché monsieur le président m'a pas lâché non que, depuis que ou avec président Jovenel Moïse le fait que le pas sérieux le fait que la baille menti le fait que le pas respecté promesses lui le fait que le passé le cap bluffé tout le monde et bien tout le monde qui gagne en personnalité après que monde ça ou pas qu'à évoluer avec donc moi crois que après sénateur Lambert après pilote parce que Josia moi pense politique la gonge le fait au minimum pour gagner c'est que j'ai choisi mettre tout bas sur papier parce que j'ai un petit avantage pour faire ou pas parler mais si j'ai choisi pour faire politique avec un minimum de dignité il est possible pour être bon côté Jovenel Moïse. Voilà, c'est sénateur Yuri la Tortue, faut que nous dit représentant secrétaire général Nations Unies en Haïti, madame Hélène Meguère-Lalim t'est à rencontrer avec sénateur Joseph Lambert d'après ça plusieurs médias rapporté rencontre ça cependant il pas voulu révéler qui détail qui t'est parlé la donne et il dit l'a continuer pour le gourmet et pour et pousser Jovenel Moïse qui vient un accord dans intérêt nation avant de trop tard c'est ça révélé par une nouvelle liste. On a parlé de sénateur Joseph Lambert il confirmé effectivement de recevoir représentante secrétaire général Nations Unies qui c'est patronne mini Justin qui était à le rendre une visite mais par contre de qui ça a été parlé et immédiatement après Gengino 7 qui proche et sénateur Lambert site internet ça et qui annonçait sénateur a gagné pour aller Washington et nous connaît mot Washington lui-même qui ça le dit dans imagination politique dans imaginaire politique et dans rhétorique politique en Haïti et à part en plus de ça sénateur a gagné déjà actif sur internet et par exemple sur Twitter et comme ça il publié un tweet la nuit là et côté le fait qu'on a mandat directeur général police là et Michel-Ange Gédéon arrivé dans bout de mais il dit Jovenel Moïse pas capable d'en et directeur général police là parce que il pas gagné moyen légal pour ça pas gain gouvernement c'est pour toute raison ça il dit quoi faut gagner un accord politique c'est animal politique de capable à combattre. Et sénateur Yuri la Tortue qualifié de mascarade séance mise en accusation nous connaît qui bâclé
et Jean le t'est passé dans la chambre avant hier. Et parlementaire a fait connaître séance a violé tout sa constitution dit l'air de qui a été posé la question surtout qu'a été critique qui a fait particulièrement sous président chambre député Gary Bodo qui était raplanché alors que il dit en faveur équipe tête Caléa alors que laisser quoi c'est un wall arbitre il t'a joué il allait dans même sens non et il dit après séance ça il clair figure député qui dit que c'est majorité présidentielle là yo vinn pisal que Jean Otey avant n'attendé sénateur la tortue toujours dans micro Vladimir Maurice Sidoré tout le monde t'a regardé qui a bon sens et qui connaît la loi ouais que c'est ça me décasé en séance qui est illégale inconstitutionnelle c'est mes cas terme créole là son mascarade parce qu'il viole les constitutions d'article qui dit pour que vote la fête pour la mise à l'accusation faut gagner en majorité qualifiée de 2/3 donc je dis à nous ouais que ça qui fait là les fait à partir de ça il a dit de 61 députés ça est opposé des députés opposition dit 58 députés donc dans les deux sens et son bagage extrêmement grave parce que au pas qu'à jeudi a et bien gagner en séance que constitution dit mais qui quorum pour gagner et puis ou aller ou violer et quorum là et ou le fait d'après l'homme des députés que puis ou a lui-même lui décider donc moi pense que ceci est inadmissible et moi crois que pas de gros attente de questions en termes de vote par rapport à député pour d'avoir des jours président journée dans l'accusation, mais t'es gagné quand même de population en attente pour que nous t'étendions à d'accusation, pour que nous t'étendions côté président journal des jours les constitutions dans des malogues, dans la saline, dans toutes questions, dans tous les sujets qui à l'ordre du jour ces derniers temps. Nous t'étendions à faire même ça, moins ouais que, eh bien, plus avant de parler des vidéos où ils sont temps pour les bien sûr, et puis au même les actes d'accusation. Dans le sens où on va encore, ça vient confirmer volonté pour que, eh bien, il y a des gens qui ont serré pour le monde, des gens qui ont caché pour le monde, puisque dans Haïti, son bataille qui vient après cacher, faire couvrir ça, mais qui toujours voulait perpétrer ce blanc, à monde qui voulait que tout le bataille soit sur table là pour nous parler vérité. Il y a un peu de critique tout sous façon bureau et télé-même conduit. C'est surtout le président Chambre député, Gary Bodo, et velléité que le dégain pour l'avancer direct pour le définir avec séance ça. Et comment est-ce ça ou même, est-ce qu'on estime que, et comme ancien président et sénat, est-ce qu'on voit que séance ça, et Gary Bodo, à la hauteur de lui-même, comme président pour le mettre au-dessus de la mêlée. Moi, je ne sais pas qui est tourné ma pile dans le bureau, surtout dans le président Gary Bodo. Il s'est dit, si je venais à mise en accusation, le président Gary Bodo n'a pas eu tout. Parce que, madame, sur séance là, il me dit, ouais, que le député opposition a demandé, il faut qu'on courant de 80 pour faire débat, pour arriver dans le vote là. Moi, je dis, ouais, monsieur majorité, yo-même, il a dit que c'est avant le vote pour les 80. Bon, je dis, ouais, président Gary Bodo est penché vers l'option majoritaire là. Bon, de toute façon, pas de problème. Comme président, eh bien, il n'est pas tout fait ça. Mais au moins, il doit respecter. Et option ça, s'il dépasse sous lui. Bon, le risque dans le vote là, il pas même respecter ça lui-même, il dit. Donc, dans ce sens-là, moi, parce que mal député, président Gary Bodo, t'es penché trop vers une majorité qui n'est même pas trouvé, pas tendé. C'était un acte d'accusation, pas clé. Et puis, il vient dans le vote là, puis il a dit bon coup de vote. Écoutez, moi, ceci ne fait pas honneur du tout aux députés qui ont un fait mandat. Côté que, à quelques jours, simplement de faire mandat de façon que vous pas le film épuisé toutes 8 sections, 8 sessions ordinaires. Moi, parce que moi, t'es quoi, t'as profité de chance ça pour y laver le visage là. Bon, moi-même pour moi, moi, quoi que le visage là pas lavé, peut-être les vignes pissales. Malheureusement, président est trop penché pour côté député majoritaire. Voilà, ancien président Sénat, leader AA, sénateur Youri La Tortue, dans le micro, Vladimir Maurice Ridoré. Bon côté parle dirigeant MPPA Chavagne Baptiste qui a préparé pour faire un blé dans le jour qui a venu là dans le plateau central. Leader MPPA mandé population continuer à mobiliser pour capable capoter Jovenel Moïse au pouvoir. Dans l'interview de Radio Kiskeya jeudi, leader paysan qualifié Jovenel Moïse de cadavre politique qui lagué pays à nos Katchoumbe, insécurité, grand goût avec chômage et qui a mené à la tête un mouvement paysan qui t'a répondu une question Radio Kiskeya sous façon député majorité présidentielle la voie et jeté et demande pour mettre Jovenel Moïse en accusation. Leader paysan dit ça pas étonné parce que parlementaire ça qui a supporté Jovenel Moïse non yo là seulement pour défendre intérêt personnel.
N'attendez qui t'a répondu question Vladimir Maurice Rido Chavanne Jean-Baptiste. Je tiens nous cap parler de une situation l'enfer même les l'enfer a été décrit pour nous comme au côté des mondes différents. Et bien je dis et pays dans un différent grand goût différent insécurité différent crise climatique là et que paysan yo pas capable d'arriver et produit côté où ils font une production ni manger, voler la qui et la paysannerie. Eh bien, vous parlez de 2 millions et demi de monde qui n'a pas grand goût à l'évaluation. Pas nous, à 10 départements géographiques pays, il y a chaque fois ici, il y a au moins 80 qui ne peuvent pas manger. Donc, c'est une situation gravement grave. Et vous sentez, pays a gagné l'État, l'État disparaît. Le président Jovenel, bon, j'en ai dit depuis longtemps, tout le peuple a dit, c'est un cadavre. Son cadavre politique, et je vous dis, ça qui quitte là, qui est des cadavres là, c'est un bon monde dans l'oligarchie nationale là. C'est l'ambassade américaine, je tout le monde a dit, nous avons dit, nous avons Haïti, ou comme groupe là, et bien c'est lui qui quitte et pouvoir être calé encore sous fiel le peuple là. Mais je dis, vraiment, tout le bagage insupportable, et nous pensons que ça va prendre longtemps, que les Haïtiens, là, je dis, bon, c'est si il n'est pas capable encore. Eh bien, ouais, pas, ouais, faut que je vienne l'aller. Après la rencontre semaine prochaine, là, t'as fait le plateau central. Eh bien, pral gagné, y'a un macornaï qui fait, et pour mobilisation, camper, juste nous voyer, je vienne l'aller avec tout le parlement de ça avec lui. Comment nous accueillons la décision, majorité présidentielle, là, dans la Chambre des députés, là, qui va jeter demande de mise en accusation, président Jovenel Moïse? Bon, alors, nous te comptons, et y'a ça, on va le jouer. Ça veut dire, majorité présidentielle, là, y'a arrivé à faire un vote totalement illégal parce que vous pas respecté sa constitution on dit mais comme son parlement reste avec et à 80% donc c'est quelques parlementaires vous ne vous dire que le peuple haïtien a pas fait de tendre et certainement le peuple a pris non parlement ça et nous mêmes ça va faire nous saisir nous te connaît même si vous te respecté règles jouettes vous n'avez pas le l'aide mais vous pas respecté règles jouettes et opposition dans la chambre députée qui lui même et entre trois démarches ça certains vous te connaît vous n'avez pas le joint résultat vous n'avez pas le résultat vous n'avez pas le changé calva mais vous te voulez seulement faire vous paraître l'aide parce que les gens ont intérêt personnel à défendre. Donc, je veux dire, c'est comme ça que nous comprenons votre salle va faire nous saisir. Elle fait, chambre de députés a une pile l'aide encore. Et c'est pour ça que je veux dire, la décision qui vient d'après là au niveau population, au Parlement, ça a même un peuple là-bas, quoi, non, pour voir président Jovenel là. Il essaie même d'agir pour Parlement. Il faut qu'on arrive pour nous de notre transition.